pour un unboxing de chez Si Botanica. Vous savez que c'est un terreau que j'utilise depuis l'année dernière et j'ai repassé commande. Donc je me suis dit que j'allais faire le petit unboxing avec vous. Et aussi je vous mettrai dans la barre de description les liens affiliés de chacun de ces terreaux. Je vous précise que ce sont des liens affiliés, complètement transparente avec vous. Et vous avez un code promo que vous pouvez utiliser qui est JARDIN10. Il a été augmenté. Avant, c'était 5% de réduction pour vous. Maintenant, c'est 10%. Voilà, lorsque vous passez votre commande. Je vous mettrai aussi les liens de leur compte Instagram. Donc, c'est parti, on y va. Je commence avec le fameux Syngonium Mix que voici. Alors ça, j'ai pris que 5 litres parce que je sais que ça va être largement suffisant pour moi. Alors l'avantage aussi, c'est que ce sont des petits paquets comme ça de 5 litres. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 15 ou 20 litres d'un coup. Ça, c'est quelque chose que je trouvais hyper sympa aussi, notamment pour ceux qui sont en appartement ou même en maison, mais qui n'ont pas de quoi stocker des énormes gros paquets de terreau. C'est assez sympa. Donc ici, ils mettent donc que ça contient déjà une fertilisation pour 180 jours à peu près de nourriture, comme la plupart des terreaux qu'on achète. Vous savez qu'il y a souvent, très souvent déjà, de l'engrais à l'intérieur. Ici, c'est du lombricompost, un engrais aussi plus naturel. Donc, ça, c'est par exemple un terreau qu'on m'a demandé parce que vous trouviez que mes syngoniums étaient beaux. Et c'est vrai que je suis assez satisfaite du résultat. Ils ont très bien repoussé. Je vous remettrai la vidéo de quand j'avais coupé la tête. J'avais tout coupé, tout coupé, tout coupé. Et puis, j'avais du coup fait des boutures et j'avais replanté d'abord dans un substrat qui n'était pas du tout bon. Je vous en avais parlé. D'où le fait que j'avais voulu aussi tester Si Botanica. Je les trouve vraiment très, 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 très bien, leur mélange. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est tout prêt. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou, combien de pourcentage doit mettre de perlite, combien ceci, combien cela. En sachant qu'il faut toujours tester. Il y a des choses qui vont chez nous, qui ne vont pas chez d'autres personnes. Quand on fait nous-mêmes, je parle les substrats. Mais ici, c'est quand même des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Franchement, moi, c'est ce qui a sauvé mes plants l'année dernière. Donc, D'où le fait que j'en ai recommandé, parce que je le précise aussi que dans cette vidéo, c'est ma commande. J'ai payé avec ma petite carte bleue tout ce qui est ici. Je le précise. Quand ce n'est pas le cas, je précise que j'ai reçu. Ici, non, j'ai payé ma commande parce que j'aime beaucoup ces substrats-là. Donc, pour mes syngoniums, c'est celui-ci, le mix syngonium. Ensuite, j'ai pris celui-là. C'est la première fois du coup que je le prends. Je vous en avais parlé en vidéo. J'avais dit que je voulais le tester puisque j'ai des œillas à la maison. Du coup, le premium Oya mix aussi est là. J'en fous partout. Donc celui-là, je vais le tester pour la première fois. Je vois qu'ils ont mis des nouveaux packaging plutôt sympa. Donc je vais tester ici le mix, le mélange pour Oya. Oya d'ailleurs, mon Oya Bella qui est en train de me refaire des fleurs tout doucement. Donc j'étais très très contente. Donc ça pareil, je n'ai pris que 5 litres parce que j'ai 1, 2, 3 Oya et elles sont petites. Ensuite, j'ai pris cette fois-ci, la dernière fois j'avais pris la base où moi je devais rajouter de la perlite dedans. Ici j'ai pris l'aroïde mix, donc le mélange spécial aroïde. Quand vous allez sur leur site, ils vous disent, ils ont un nouveau site aussi en plus, je préfère le nouveau, il est bien mieux. Et du coup, quand vous allez sur leur site, ils vous disent pour quel type de plante c'est. Ici, aroïde, on le sait, les plantes des aroïdes, les aracées. Mais comme ils font des mélanges aussi spécifiques, syngonium qui est une aracée aussi, spéciale alocasia, etc. Donc ici, j'ai pris plus pour mes pothos et mon monstera. Bon, j'ai pris 15 litres, je vous avoue que je ne sais pas si j'aurai assez.
puisque le Monstera c'est quand même déjà un gros pot. Mais voilà, mon Monstera va pas très très bien. Il se chope des trips aussi. J'ai mon Monstera Variegata et qui a des trips. Et j'ai le Monstera normal aussi. Maintenant, c'est génial. On adore. Donc, je pense que les deux vont être complètement dépotés, vont carrément avoir un bain de savon noir, racines compris, la totale. Et puis bah, rempoter, voilà, dans un meilleur substrat. Donc j'ai pris l'aroïd mix. Je vais faire un maximum de plantes là pendant mes petits congés. Et j'ai repris là le mélange pour... Ah, c'est lourd. Le mélange pour ficus. Là pareil, je n'ai pris que 5 litres parce que je n'ai que un ficus de petite taille et un bébé qui lui aussi s'était chopé des nuisibles et qui repart seulement maintenant, qui refait de nouvelles feuilles. Le pauvre, il a toute la tige là où il n'y a plus rien. Quand je vous dis que j'ai pas du tout le temps de m'occuper de mes plantes, la preuve en est, hein, quand je parle de prévention pour les nuisibles, avant je faisais du préventif mais tout le temps. Et je n'avais que un ou deux trips adultes. Avoir des trips comme j'en ai là, avec des larves partout, vraiment une petite colonie de larves blanches comme ça derrière les feuilles et tout, je vous jure que je n'avais jamais eu ça quand je faisais justement ma prévention. Là, je n'ai pas fait de prévention l'année dernière, j'ai rien foutu, voilà, clairement. Et pas que avec les plantes d'intérieur, ça a été une année un peu complexe, donc voilà. J'ai vraiment rien fait du tout, même en termes de plantes, voilà. À part les rempoter dans le terreau sur Botanica, je dis c'est ça qui les a clairement sauvés l'hiver dernier. Sinon, pas de traitement préventif, pas de traitement curatif non plus soutenu. Voilà, je voyais qu'il y avait des nuisibles et je faisais un pchit de temps en temps et puis plus rien. C'est la chose à pas faire, c'est tout ce que je vous dis de pas faire d'ailleurs. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on dit. Voilà. Donc là, cette année, je reprends aussi mes plantes d'intérieur correctement. Donc voilà, les Monstera vont avoir un bon bain et on va redémarrer en force avec les traitements préventifs pour les autres plantes aussi. Et ça ira mieux. Alors, ce n'est pas tout. J'ai aussi pris un tout petit paquet de sphaigne. Là, vous avez en 3 litres. Elle me paraît plutôt pas mal déjà à voir comme ça. Voilà, une sphaigne qui vient de sources responsables. Le plus responsable possible, nous sommes d'accord hein, avec la sphaigne. Voilà, c'est pour ça que moi, c'est pas quelque chose que voilà, à la maison, c'est un choix aussi de ne pas faire. À un moment donné, j'y avais pensé, comme tout le monde, à faire les fameux tuteurs en sphaigne, coco et compagnie. Mais voilà, on le sait, la sphaigne pour les plantes, notre entretien de plantes d'intérieur, c'est pas hyper écologique non plus. Vous savez l'éthique que j'ai, donc j'essaye au maximum du possible avec ma passion des plantes d'être en accord avec ces valeurs-là. Donc voilà, d'où aussi le fait que j'aime beaucoup les terreaux Cibotanica puisque ce sont des terreaux sans tourbe, c'est du terreau de coco. C'est pour ça que j'ai pas pris un gros paquet parce que déjà je voulais la tester. Pour vous faire aussi un retour objectif dessus. Et puis, pour voilà, j'ai pas besoin d'une quantité de sphaigne énorme, moi, à la maison, de par l'entretien que j'ai. Ensuite, j'ai repris des pots, parce qu'ils vendent aussi, il faut savoir, ils vendent aussi des pots pour les plantes. Donc, moi, j'ai pris ceux-ci, je crois que c'est ceux vraiment pour aroïdes et orchidées, ceux-là. Donc, vous voyez, vous avez un petit... ça rentre un petit peu à l'intérieur et vous avez les trous là et sur le côté ici aussi. Donc, ceux-là, ce sont des 17. Je vous remettrai les prix aussi au montage. Voilà, vous aurez vu que vous allez... que vous aurez les prix. C'est pas français.
J'ai besoin de vacances, vraiment. Voilà, je commence d'ailleurs mes vacances tout doucement ce week-end. Vous avez vu les prix tout le long de la vidéo, parce que je sais que vous aimez bien quand je mets les prix aussi quand ils sont affichés. Donc on est quand même sur 15, 20, 25, 30 litres de terreau plus 3 litres de sphaigne et 5 pots en plastique. Donc bah voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur les substrats, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr, et que le contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, il y aura sûrement des vidéos par rempotage parce qu'il va y avoir du boulot. Bisous et ciao, ciao!